بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أعزائي الصغار في قناتكم ربي زدني علما. Aujourd'hui, mes chers petits, on va voir une nouvelle séance d'écriture, de copie et d'exercice écrit. Unité didactique numéro 6, 3e et 4e semaine, thème mes fêtes. Le premier exercice dit « J'observe et je colorie ». J'observe et je colorie. Donc, mes chers petits, vous allez colorier la lettre J, comme ça. On doit colorier la lettre J. On monte, puis on descend et on met une courbe qui remonte. Puis on passe au deuxième exercice. Le deuxième exercice, je m'exerce. Donc, comme vous voyez ici, on doit suivre les flèches rouges. Comme ça, puis on descend, puis on remonte. Donc, on met une attache, puis on descend tout droit et on met une courbe. Une attache, on descend tout droit, une courbe, attache, on descend, une courbe, attache, on descend et une courbe. Puis on passe au troisième exercice. Alors, mes chers petits, avant de faire l'exercice numéro 3, on doit s'entraîner à écrire la lettre J minuscule et majuscule. Alors, comme vous voyez ici, nous avons la grande ligne ou bien la ligne de l'écriture. La ligne de l'écriture. Et en haut, nous avons 1, 2, 3 interlignes. Et aussi en bas, 1, 2, 3 interlignes. Alors, pour écrire la lettre J, on doit commencer par ce point. Et on trace une attache droite haute, comme celle-ci. Une attache droite haute. Puis, une ligne verticale qui descend jusqu'au deuxième interligne en bas, comme ça. Et on finit par une boucle qui remonte, comme ça. Et n'oubliez pas le point. C'est la lettre J minuscule. C'est la lettre J minuscule. Et maintenant, on passe à la lettre J majuscule. Donc, on doit commencer par le point placé entre la deuxième et la troisième interligne. Donc, on met une courbe penchée vers le haut. Une courbe penchée vers le haut. Puis, une autre courbe horizontale. Une autre courbe horizontale, comme ça. Ensuite, on descend avec une droite verticale jusqu'à la deuxième interligne, comme ça. Puis, on termine par une grande boucle qui remonte.
C'est la lettre J majuscule, J minuscule, J majuscule. Le troisième exercice dit j'écris. Donc ici, on doit écrire une ligne entière avec la lettre J. J, 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 etc. Puis, copie. Je recopie. On doit recopier cette phrase dans la ligne. Jalil joue dans le jardin. Jalil joue dans le jardin. Puis, on passe aux exercices écrits. Exercice écrit. Le premier exercice, je mets en ordre les syllabes et j'écris les mots. Je mets en ordre les syllabes et j'écris les mots. D'un, jar, nal, jour, li, jo. Donc, comme vous voyez ici, nous avons deux syllabes. On doit composer un mot avec ces deux syllabes. Donc, on a déjà vu un mot jardin. Alors, regardez bien. Jardin. Jardin. Et on écrit ici jardin. Jardin. Et ici, nous avons nal, jour. Nal, jour. Alors, on a déjà vu un mot journal. 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 Et on écrit ici journal. Journal. Puis, enfin, nous avons li. Jo. Li. Jo. Alors, ce mot, c'est joli. Joli. Et on écrit ici joli. Joli. Le deuxième exercice. Je complète les phrases avec les mots en rouge. Je complète les phrases avec les mots en rouge. Voici les mots en rouge. Jardin, journal, joli. Alors, les mots qu'on a déjà vus ici. Donc, papa lit le. Une jupe, le public. Donc, papa lit le. Journal. Papa lit le journal. Et on écrit ici journal. Journal. Une jolie jupe. Une jolie jupe. Et on écrit ici jolie. Jolie. Le jardin public. Le jardin public. Et on écrit ici jardin. Jardin. Et enfin, mes chers petits, je vous souhaite une très belle soirée. À la prochaine séance.